Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband, saison 4. Et donc je vous avais laissé la dernière fois, on était en train de s'attaquer au royaume des Vaegir qui nous avait déclaré bêtement la guerre. On leur roulait plutôt dessus, on avait vaincu le roi le roi des Vaegir, donc on était plutôt bien. Et là maintenant on va prendre des châteaux parce que peinard, on est tranquille, y a juste une grande ville qu'on va laisser vide. C'est pas génial, mais en même temps c'est assez simple à reprendre, même s'ils mettent quelques unités. C'est tranquille. Donc allez, on est parti. Donc nous revoilà en jeu. Revadin, voilà, on venait de la reprendre. Reste le château de Dramug qui a été repris il y a 2 secondes. Bah, du coup, on va y retourner. Rapidement, il n'y a rien. Donc bon. Votre situation est désespérée. Voilà. Hop. Le château est récupéré. Ça, c'est fait. C'était efficace, c'est ce qu'il faut. Gravette informe qu'il y aura un truc dans la salle de Revaline. D'accord. Bon bah, si tu veux, hein, mon gars. Donc ici, 139 plus 37. Alors eux, je pense qu'ils diront pas ok. Mais en même temps. Ah, c'est une tour de siège. Oh, ils sont pas sympas. Bon, c'est tant pis. On va essayer quand même. Ça va prendre un peu plus de temps. De toute façon, on est plutôt safe. Là, il n'y a plus rien. Il reste que le château de Ragodir. Après, château de Shells. Il leur reste Rivacheg. Ah, mais il leur reste plus rien. C'est ridicule. Bon, par contre, effectivement, je vois que le Khargil Khanat a repris un petit peu des petits forts là. Alors, faudra s'en occuper après, hein. Ils nous redéclareront bien entendu la guerre un jour ou l'autre. Oh putain, ils ont récupéré le château de Dramug. Pas sympa. Ah, mais Château de Dramug a été assiégé, il va être récupéré. Revadin n'est plus assiégé. Voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir attaquer. Alors, le tout c'est de pas perdre trop d'unités. Allez, c'est parti. Ça va être un peu long, évidemment. Allez, on est vraiment très proche, il reste plus grand-chose. Bon, on a eu 3 blessés, mais eux, ils ont eu 3 morts. Allez, c'est parti, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller, c'est parti, 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 parti. Donc, le tout, c'est de ne pas se faire tuer d'entrée de jeu. Moi, j'ai pris une petite flèche, c'est pas très grave. Raté. Voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, tranquillou. Oula. Voilà, fallait avoir un peu plus de réflexe, mon gars. Hein. Franchement, c'était pas très difficile. Alors. Ça rip up gentiment. Il y en a un en face là, qui va m'énerver vite. Oh, ce hérisson! Ça va, Marnid? Ça va comme tu veux? Le mec avec tous les flèches sur son bouclier, c'est débile! Ouais, j'ai des hérissons en fait dans mon équipe. C'est l'équipe de hérissons. Attends, ça c'est que des chevaliers slash sergent Rodoc. Ah, ça va. C'est violent de mon côté, hein. Ils arrêtent de déconner, hein. Allez. Faut juste faire gaffe à pas se faire trop canarder. Je vais essayer de les prendre à revers, voilà. Je vais faire un peu de strat. Ça peut paraître fou, mais je vais faire de la strat. Je vais passer par le côté. Allez, tant pis, YOLO, j'ai pris des points de dégâts. Je me suis pété les jambes, mais au moins. Voilà. Ya! Bon, évidemment, ça c'était prévu, hein. Voilà. Ah, il reste toi là-haut. Ah putain, elle est trop chiant à avoir. Descends de là, nom de Dieu. Bon, voilà, ça c'est fait, je t'ai descendu. Je suis dans ton dos. Ok. Voilà. Allez, il ne doit plus rester grand-chose. Ouais, c'est ça.
Devait y en avoir 130, je crois que les derniers sont là. Hey, il me tue des sergents Rodoc, eh. Ah, mais il en reste. Bon, bah, attendez. Attendez, attendez. Aïe. Oui. 13 points de dégâts. Oh. Il avait juste une plus grande rallonge que moi. Alors, attendez, parce que là, il va falloir zigzaguer un petit peu. Et oh. Mais... Oula, 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 oula. Laissez-moi tranquille. Hein, j'ai plus de vie. Mais j'ai plus de vie du tout. Non. Ah merde. Pff, 131, combien je te parie qu'en fait il n'y a plus personne en face. Et moi j'en ai perdu, j'ai perdu 5. Bon. Et il faut refaire. Bon ben tant pis, voilà, faut que je refasse. Bon, je vais peut-être vous couper ça, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Je vais juste me faire chier à tout récupérer, et puis c'est bon. Alors, ça y est, j'ai réussi. Bon, ben, on va rapidement retourner au château de Ramug, évidemment. C'était pas très compliqué, hein, c'était juste chiant, hein, évidemment. Non, il y a du monde là-dedans. Attendez, je vais juste voir s'il veut pas essayer de me reprendre Evadine. Casse-toi, tu pues! Je vais même t'exploser. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer d'exploser un petit peu les mecs qui traînent aussi avant de s'attaquer au château. Parce que, dans l'idéal, il faudrait éviter qu'ils aient trop d'unités. Donc, il faut de temps en temps s'occuper directement des mecs. Ah, mais c'est des Saranides qui se sont retrouvés un petit peu expatriés. Voilà. Oh, je l'ai un peu explosé le boyard machin là. Aïe. Ah. Ah mais ils sont pas avec moi eux. Voilà. Bon, ils sont un peu défoncés. Ok. Ils sont clairement explosés. Bon, ça c'est fait. Ça a été rapide. Hein. Vous êtes nos prisonniers à présent. Voilà, 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 voilà. Alors, ça c'est fait. Donc, faut juste éviter vraiment clairement que... Revadine se fasse récupérer. Donc nous, on va aller à Dramug. De toute façon, ils vont y aller aussi. Voilà, casez-vous tous à Dramug. Je suis d'accord. On va s'en occuper. Rendez-vous. Comme ça, on va s'occuper. On va faire une pierre 25 coups. Parce qu'on va les exploser. C'est des échelles. On va les exploser. Je vais attendre un peu parce que j'ai un peu pris quelques coups. On va les défoncer, ce qui va nous permettre de récupérer directement, enfin de nous arranger pour qu'il n'y ait plus personne en face. Très vite. Oula, pas oublié de prendre le bouclier. J'ai complètement oublié de te mettre un bouclier, Rolf. Hein. Il arrête pas de mourir le premier. Oh là là, c'est... assez impressionnant de voir les projectiles comme ça dans tous les sens. Et le pire, c'est que ça devait ressembler à ça, voire en beaucoup plus, quand ça devait avoir lieu, ce genre de truc. Ça devait être assez monstrueux. Alors, Rolf, tout seul, tu me fais peur. Faut que je puisse passer en fait. Voilà. Alors. Ça tire d'en haut. Ça tire d'en haut, ce qui est très chiant.
Comment je fais pour monter là-haut? Il doit y avoir un accès. Ah, ici. On va aller se les faire. Coucou. YOLO. Où est le reste? Dans cette direction, allons-y. Ouais, pour l'instant, on est vraiment bien. La suite, la suite. Allez, encore un peu? Oui. Aïe. Allez, on reste, c'est pas fini. Bon, on devrait commencer à voir le bout là. Oula. Ça fait peloton d'exécution ici. Oula. Ah mais c'est pas fini encore. On va reculer. On va reculer avant de se faire enculer. Ah ah. Je suis plutôt bourrin. Encore? Attendez, mais ils étaient combien? Alors là, c'est des unités de merde aussi, donc bon. Petites unités à 44 points d'expérience. Eh ben, ils étaient 150 quand même, hein. C'était pas si évident que ça, hein. Bon bah, 4 blessés c'est pas horrible, hein, mais bon. Je suis en train de prendre tous les mecs en prisonnier, c'est débile. Artenheimer a monté de niveau, c'est cool. Alors, de l'XP. Alors Artenheimer, tu me sers à rien, bon bah, augmenter ta force. J'ai totalement chié les archétypes de perso, parce que de base ils ont un certain nombre de points et tout ça, et il aurait fallu que je joue avec ça. Ce que je n'ai absolument pas fait, ce qui est très idiot, je vous l'accorde, mais en même temps, j'ai pas trop réfléchi. Voilà, ça me correspond très bien. J'ai pas extrêmement réfléchi, je dois vous avouer. Il y a pas beaucoup de nourriture ici, tout ça, c'est pas. Alors ça, je l'ai lu, donc c'est bon. Et bah, c'est tout bon. Tiens d'ailleurs, taverne, y'aurait pas quelqu'un d'intéressant là-dedans? Ah oui, je me suis renseigné à propos de la nana qui est partie. En vrai, c'est ultra random, mais alors vraiment. C'est-à-dire que il y a plein de configurations possibles, elle peut avoir changé de faction parce que son mari a changé de faction. Elle peut avoir plein de choses en fait. Et si je la retrouve pas. Et accessoirement, elle peut être aussi partie directement de Caldaria. Et elle ne reviendra qu'au bout d'un certain temps. Et ce certain temps, ça peut être très long. Par exemple, 1000 jours en jeu. Sachant que je ne suis qu'à 700 jours. Soit à peu près 2 ans. En fait, ça fait bientôt 2 ans que je joue. Bien plus. Je crois que ça fait maintenant plus. Mais je crois que ça fait plus. 2 ans que de jeu, bien sûr. Même si c'est possible que ça fasse à peu près autant. En termes de temps de jeu pur. Attends, j'ai juste acheté un petit peu de bouffe. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que j'ai commencé cette saison, enfin cette série sur Mountain Blade Warband. Ça fait très très longtemps. Allez, on va prendre ce château-là. En plus, c'est dans la neige, ça va être cool.
Ne pas se faire récupérer un château. Ne pas se faire récupérer un château. Parce que ça va être chiant. Ça veut dire qu'il faut faire demi-tour. Alors. J'ai pas regardé combien il y a de personnes, mais je m'en fiche. Un petit château sous la neige. Plutôt cool. Plus la configuration est pas mal. Oula. Ah là, il n'y a plus de tirailleurs dans tous les sens. Des empêcheurs de tuer en rond. J'ai tellement envie de descendre, mais en même temps, ça risque de me faire très mal. C'est tout petit ce passage. C'est pas très sympathique. Là, pour le coup, les remparts, ils sont pas tip-top pour se déplacer. J'ai juste envie de descendre, mais c'est assez haut en fait. On n'a pas l'impression, mais c'est assez haut. Laissez-moi passer! Je suis votre chef. En fait, on va jamais y arriver. Je suis bloqué. Est-ce que je vais faire un truc de YOLO? Je sais pas trop. YOLO! Alors, ça va me rip-hop dessus, mais en même temps, il faut que je m'occupe des mecs qui tirent en bas. Parce que sinon, ça fait tir au pigeon. Allez, repopé, mais pas sur mes fesses. La configuration est pas énorme quand même hein, pour les défenseurs. C'est vraiment. Voilà, ça y est, ça a repopé. Ça me repop aux fesses. Oula, puis y a un mec qui me tire dessus. Viens là. Alors, toi, je vais aller te chercher parce que tu me saoules. Ils sont en train de m'assommer plein d'unités, ce qui est pas sympathique. Attendez-moi, je vais finir tout ça. On ne parlera plus. Évidemment, ça va me repoper dessus, c'est sûr. Allez, tu veux pas courir un petit peu là? Je sais que t'as une grosse armure, mais franchement, à ce niveau-là. Ah! Coucou! Ah! Voilà, c'est bon. Alors, me laissez pas. C'est débile. Ah! En fait, je peux pas utiliser le coup par le haut parce que. Il y a un mur et que la Xbox de l'épée rentre dans le mur. C'est pas très intelligent. Voilà. Cette mêlée. Normalement, on s'est déjà tous écharpés depuis très longtemps. Alors, il reste plus grand monde en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des archers donc. On va commencer à arriver à une conclusion. En tout cas, ça m'étonne de ne pas me faire toucher depuis longtemps là. Quoi? Voilà, quand même. Il y en a des archers ici. Un. Ah.
J'allais dire, j'allais compter, mais en fait, j'ai pas eu un à-coup. Voilà. Bon, ça y est, c'est fait. C'était un peu long, en fait, hein. Il y en avait 150 encore. Bouah. Ah, puis il reste ceux-là aussi. Allez, finissez-le. Ouais. C'est bon. Ok, bon. Tireur d'électrodoc. Et puis on est bien. On est très très bien. Voilà. Il reste deux châteaux, une grande ville, et puis c'est bon. C'est tout? Oh. Ça va quand même très très vite, hein. Ça va très très vite. Puis le royaume des Nords, il est plus si grand que ça, hein. On remarque que là, depuis que j'ai pris le royaume en main, c'est efficace, hein. C'est très très efficace. Je pense qu'on va se diriger gentiment vers le château de Jarib. Et que on va tout simplement, je pense, arrêter là l'épisode. Je vais éviter de refaire les épisodes de... Oula, oui, d'accord. 160, ça fait pas mal. On va arrêter là, je pense, l'épisode. Tout simplement parce que je vais éviter de faire des épisodes encore de 40 minutes. C'est un peu long pour moi comme pour vous. Du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.